Salomon. Et Dieu verra, il y a une fois de bonnes choses, je lui laisserai pour cette longue. Mais nous, la sanctification, nous allons permettre de croquer. Et mais toi, alléluia, la sanctification, Dieu permettra que tu m'aimes. Ok, il faut que je vous donne la langue des âmes, bien. Ok, non, ok, il y a avant. Alléluia. Tu veux seulement louer les gens qui sont dehors, mais pourquoi pas nous les chrétiens? Tu te lèves et tu dis que je suis industriel. Et suis moi les élèves. Et ces usines ne m'appartiennent. Et c'est comme ça que nous voulons pour devenir pareil. Pour devenir ainsi, il faut suivre la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas avoir des arrières-pensées. 1000 francs, mais vous savez, les gens vont dire 1000 euros, 1000 francs, ça ne va pas faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Et vous aussi, ça n'est pas cité. Ça ne va pas finir la souffrance de serviteurs de Dieu. Et vous aussi, ça n'est pas cité. Elle ne finira pas même la souffrance. Même si tu as une parcelle, peut-être Dieu a prévu pour toi une parcelle. Beaucoup ça, même si tu n'as pas encore monique, n'as pas on avait évoqué, non. Même si tu n'as pas encore monique, peut-être que tu as une personne, tu te dis que ça suffit pour moi, mais Dieu a prévu pour toi que tu mais toi, tu te vois tel que Dieu, tu dis que ça me suffit. Et pour qui tu es là, tu es là. C'est pas encore suffisant, Dieu ne te fait pas ainsi. C'est toi qui veux être ainsi, mais Dieu ne veut pas que tu sois ainsi. Si tu vas à Lagos, quand je me suis rendu là-bas, j'étais vraiment étonné. Je regardais une même elle me dit que c'est quelqu'un de 25 ans qui a construit. Et on te montre, tu dis que la personne a 35 ans. Mais t'as pas dit qu'elle a 18 ans, 20 ans. Elle a construit, elle a 20 ans, 18 ans et 25 ans. C'est quoi le cas du boulot de bâtiment? Bon, si vous y a ton et je regarde mon âge, je dis, elle l'a construit et moi. Mais c'est ça. Amen. C'est les mongo et bien dans mongo. L'argent appelle l'argent. Mongo et bien dans mongo. L'argent appelle l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu peux crier. On sait que tu es bon. Tu peux avoir l'onction qui te mord. Mais ça va te bloquer. Allons dans le quatrième. Je vais te faire voir Tabitha. Oui, Tabitha. Tu connais Tabitha? Tabitha est sur la source de Yébia. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Tabitha. Tabitha est sur une acte. Si tu vois acte 9 au moment de Tabitha, tu prends le livre d'acte des apôtres. Je regarde aussi l'air. Tabitha, on a vu à Salaki, moi, si vous avez un moment. Cette femme craignait Dieu. Elle priait beaucoup. Elle faisait de bonnes œuvres dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Mais cette femme, elle connaissait aussi Jésus. Elle connaissait le principe et la loi de Jésus. Jésus disait, aimez-vous les uns les autres. Parce que nous sommes là, Jésus, qui est bien aimé. Parce que toi, tu ne vois pas Jésus-Christ est bien aimé. Et Dieu regarde et dira non. Tu ne peux pas t'abandonner, c'est Dieu.
Je vais te donner mon Dieu. Je vais te donner mon Dieu. Regarde cette femme. C'est pas Jésus qui a ressuscité. C'est le serviteur de Dieu qui a ressuscité ta vie. Tellement qu'elle avait des bonnes œuvres. Elle dit aujourd'hui, quand vous vous attendez, maman était partie morte. Le serviteur de Dieu a commencé à prier d'une manière incroyable. Pierre a dit à ces dieux-là, est-ce que c'est que tu fais, tu peux vraiment le faire? Cette famille, tu peux aussi permettre qu'elle meure? Non. Non. Si tu fais ainsi, qu'est-ce qu'ils diront les autres? Qu'est-ce qu'ils diront? Tu vas les réveiller. Tu vas la réveiller, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème parce que qu'est-ce que je prêcherai encore? Pierre regarde et dit, Tabitha. 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 Lève-toi. Alléluia. 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 Oh, Tabitha s'est réveillée, toute l'église était paniquée. Tu regarderas cette chose et diras Dieu, pense à cette personne. Même si cette personne ne fait pas beaucoup de prières, ne te tracasse pas. Merci, c'est bon, exemple, merci qu'on te dira. Et c'est Dieu la vérité. Si cette personne voudra encore dire autre chose, Dieu lui dira, tu avais dit déjà merci. Quand tu dis merci dans ta bouche et dans ton cœur, il n'y a pas de merci, Dieu va te frapper. Et Dieu verra dire, j'ai arrêté ce que tu as dit, qu'est-ce que tu veux faire encore? Arrête. Il dit, amen. Arrête-toi là. Et toi-même, tu vas retourner dans la tristesse, tu diras que mon corps n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Dans l'église, c'était quelle femme? C'est la femme qui était dans les services des sociaux. Dans les services des sociaux. C'est là qu'elle regardait tout le projet des gens de l'église. Elle regardait toute personne dans l'église. Quand tu es là dans les sociales, et quand il y a culte, et tu regardes le visage des gens, tu regardes, tu es comme l'intercesseuse. Et tu regardes le visage qui ont des problèmes. Le visage qui ont des problèmes, des maladies. Tu diras ça, c'est un cas grave. Et quand tu retourneras, et tu fais ton rapport, tu diras qu'est-ce que je vais faire. Tu vas te rencontrer avec ces gens. Quand tu rencontreras ces gens, tu écouteras les gens. Même si les gens viennent à l'église, ils ont des problèmes. Quand il t'approchera à cette personne, il te dira, il t'ouvrira son cœur et te dira, et c'est ce que tu es. Et s'il y a le moyen d'aider cette personne, il faut aider la personne. Il ne faut pas
se dire parce que nous sommes en Europe, il n'y a pas de souffrance. Il y a aussi des difficultés. Il y a aussi des difficultés de parmi les prisonniers. Il y a aussi d'autres personnes qui demandent juste la prière. Il y a beaucoup de prisonniers. Sociaux, les vont dans les prisons. Visitez ceux qui souffrent. Et nous regardons seulement la parole de Dieu. Si tu accomplis ces choses, et tu marches avec ces dieux, et tu diras que Dieu, je t'ai pas vu. Et je t'ai vu dans l'hôpital. Quand j'étais allé voir ma sœur telle, et je t'ai vu là. Quand je me suis rendu dans la prison, et je t'ai vu dans la prison. Et Dieu te donnera une réponse. Et il dira que cet enfant marche avec mes principes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter. Et demain, nous allons rentrer dans la profondeur de notre communication. Nous allons rentrer dans la profondeur. Dans la vie du sujet. C'est que nous cherchons la femme, oui. Alléluia. Amen. Je te dirai que femme, lève-toi. Dieu t'a appelé de te lever pour ta destinée. Lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucune chose. Aucune chose ne peut t'arrêter. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Aucune chose. Parce qu'il t'a racheté. Par son sang. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus est venu, quand il est retourné, il a dit qu'il va enverrer son esprit. Est-ce qu'il a dit que le Saint-Esprit, c'est seulement pour les hommes, pas pour les femmes? Le Saint-Esprit est venu pour tout le monde. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es libre. Tu es libre. Il faut parler, dire ce que tu as dans ton cœur. Il faut parler à ce Dieu, causer avec ton Dieu. Il n'y a pas un bon mari qui est Jésus-là. Il n'y a pas un mari qui dépasse Jésus-là. Il n'y a pas un mari qui dépasse Jésus-là. On disait que les habits qu'il mettait. Même les jeunes aujourd'hui qui disent que je suis habillé en ces soirées-là, même si c'est Christian. Et Jésus était grand. Ils pensaient qu'ils vont nous faire tomber, mais il était Dieu. Il t'aime toi et moi. Il t'aime toi et moi. Aujourd'hui, accepte ce Dieu-là. Je m'arrête là. Tel que je t'ai dit, ne t'assois plus. Lève-toi. Je vais t'assurer quelque chose dans la tête de Dieu. Il n'y a pas d'âge dans l'air de Dieu. Il n'y a pas d'âge. Même si tu as 70 ans chez Dieu, tu as 10 ans. Parce que mon père soit pour renouveler en force. Il va renouveler la force. Il va donner la force à tes œufs. Les gens vont se tourner et qu'ils se viennent d'arrêter venir comme ça. Parce qu'il y a la femme de Jésus qui te donne la vigueur. Ceux qui sentent qu'ils sont fatigués, qui sont découragés, renouvelons notre engagement. Renouvelons ton engagement. Même là où tu es, là où tu es déjà fatigué, tu es découragé, tu ne fais plus l'aimer. Dieu t'a appelé déjà, mais tu ne travailles plus. Dieu t'a appelé dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous te reconnaissons d'avoir tout relié à sous pour pétard et sur renouvelle l'engagement avec ton Dieu. Renouvelle l'engagement.